Oui, bonjour, Maître Rémi. Oui, bonjour guerrier, bonjour tout auditeur, auditrice. Faites-moi saluer PDG Patrick Monsignac, permettez-moi saluer tout paysan. Et pour commencer, guerrier, je vous dis merci pour la possibilité pour moi, pour le cadeau, c'est le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, lancer SOSA. Pour prisonniers dans tout le pays, mais plus précisément guerriers, pour prison civile cap-haïtien. Alors, m'a dit toute population que actuellement, Cap-do gagne une branche dans le niveau cap-haïtien. Donc, nous avons des représentants d'organisations dans le nord. Donc, nous avons M. Paul Escami, M. Suffren, M. Benito Geffrard, M. Paul Samson. Donc, c'est avocat ça qui a représenté Kado dans le Nord. Guerrier, nous faisons visite nous-mêmes au niveau Kado parce qu'on est une organisation qui travaille pour défendre le monde, fait promotion pour défendre le monde et bataille pour si l'État qui prend de nouvelles dispositions pour permettre que le droit monde respecte le pays. Mais guerrier, nous venons constater que lors aller dans la prison, ou senti que pas rien qui a un rapport avec le respect de l'homme dans le pays. Dans la prison civile, qui a pas ici, ça fait d'insister. Merci beaucoup d'être pour la possibilité. Guerrier, debout, il va dedans, blo pas capable de jouer, guerrier. Il crie, il est en pitié avec l'avocat. Ou qu'on imagine que une prison qui a logé, côté de 908 détenus, c'est-à-dire que nous vivons dans des situations infrahumaines. Peut-être que moi, je dis, l'homme t'a fait visite en dehors. Allô? Oui, non, non, non. Des gros risques d'évasion. Parce que, guerrier, nous sommes en prison, nous sommes en 2024, ou imaginons que toute porte cellule prison est pourrie. C'est-à-dire, et malheureusement, le ministre de la Justice a visité en dehors. C'est-à-dire, un seul coup de pied seulement qui a ouvert votre là. C'est-à-dire, une cellule porte tellement pourri, fenêtre tellement pourri, responsable prison est obligé de retirer les prisonniers, mettez-vous dans la cellule. Mais que tes fenêtres, que tes portes, tout pourri. C'est-à-dire, c'est longtemps des prisons crasées, longtemps des gros éclatés, c'est laisse on va attendre l'État pour prendre disposition, pour le courir, pour le dire bon, etc. Mais ça passe, pour être prisonnier pour rien. Mais nous-mêmes, cap défendre le monde. Nous, même dans le niveau cadeau, mettons en rythme. Si nous ne faisons pas travail pour nous bailler l'État pression, pour nous dire l'État, ou passer ou un problème, non pas pour aucune décision. Et c'est leur sobre à dire, mon cher, mais qui est-ce qui va sanctionner? Ou pas qu'à sanctionner des personnes. Parce que comme autorité, ou elle, et bien, il y a ça qui est alarmant dans la prison. Je vais l'expliquer. Est-ce qu'on est ce commissaire gouvernement, qui pas ici, mais tu vois, qui achetait trois sacs sel pour permettre que prisonniers mettent en balan pour manger. Comment vous prenez pour vous? Prison civile cap-haïtien, c'est commissaire gouvernement qui a acheté trois sacs sel qui baille chef prison. Et vous ne vivez pas en prison guerrier. Vous faites manger ou bien vous mettez en balan? Comment ça? Celle-là, vous faites manger ou bien pour. Non, non, maintenant, elle est mise. Sacs sel, là, vous faites manger. Maître Rémi. Puis on fait manger, mais pas de manger avec des fois, c'est pour. Comme dit, ça, faites si avoine, faites si farine, puis on va manger. Mais il pas suffit. Il pas suffit parce que de la prison de conduit, on préfère qu'il y ait un peu de langue, puis on va se faire tout. Et où vient ils vont côté guerrier? Il y a deux nègres en prison, c'est bon, les trios, je vais acheter manger la prison. Bon, les trios jouent pour permettre que les prisonniers mangent. Des fois, les pagans qui n'ont pas gagné, c'est acheter petit pain pour séparer les prisonniers. C'est-à-dire, vous imaginez, il y a 908 personnes qui sont en prison, il y a 746 qui ne sont jamais juge. Okay. 746 qui ne sont jamais juge. Sur 908. Et, ça grave là, il y a une nègre la guerre, vous voyez, qui était dans le pénitencier. On va le bon exemple. Monsieur le Nérestan Alix. Monsieur dans la prison civile cap-haïtien guerrier. Il a 15 ans en prison. Et c'est Maïska Berge au surpris qui était condamné. Date l'arrivée.
Maintenant, plus on fait suivi pour lui, un dossier long. Il est en prison d'Haïti, oui. Et pénitentiaire, oui. Il a 15 ans en prison, il était condamné à 15 ans. Maintenant, il est arrivé pour la guerre, peut-être dossier perdu, il n'y a pas qu'à faire un bouillon. Il est sur 3 ans, il fait 18 ans, oui. Oh, son prison à vie, monsieur. Pardon? Non, monsieur, la prison à vie, dans ce sens-là. Non, mais écoutez, conditions, ils sont indescriptibles, ils sont infrahumaines. Bon, non, mais Maître Rémi, par rapport à ça, qu'on souligne là, comme défenseur de l'homme, mais qui ça a fait pour mettre en des comme ça de yo? Non, mais son action en habeas corpus pour faire, c'est dossier perdu, c'est prendre en jus de paix, constater que dans la prison, constater que par les dossiers, et qu'il y a les mbralbos, ou permettre de faire ouverture des hommes. Nous, même quand défendre l'homme, nous toujours à bataille pour faire plaidoyer ça, oui. Digitaliser système là, numériser système là. C'est-à-dire, ouais, imaginez, on est qui a 15 ans, qui condamne à 15 ans, dossier perdu, on y a là. Donc, si système là est numérisé, il n'y a pas de monter sous, et pas serveur système là, il n'y a pas de dire, ah mon cher, ne reste à l'X, mes dossiers. Mais on y a là, on n'a pas qu'à aucun dossier pour lui, non des hommes. Tout dossier disparaît, perdu net, oui. Elle n'a pris au cap là, on y a là, oui, qui t'a fait 15 ans prison, oui. Elle dit bout de papier. Elle bénéficie. Tout dossier perdu net. Elle bénéficie de la loi de l'Espina, ça veut dire, en vol, t'es condamné, bon, certain temps que t'es passé déjà. Ça veut dire, qu'on y a là, elle est arrivée pour la guerre. Mais pour peut-être pas les dossiers, il est tenté de croupir dans des conditions inhumaines dans la prison civile du Gabon ici. Bonjour. Il y a dit que, il faut qu'il y ait 10 000 gouttes pour acheter gaz pour pendre dans la prison. Pas rien, l'on y a. Moi, je fais intervention matin, c'est pour me lancer SOS là, oui, pour me dire tout le monde. Bon, il y a 16 nègres qui ont dispensé à guérir. Mais mon ventilateur pas gagné, il dit, mais il ne faut pas acheter ventilateur, il a mouru. 16 nègres, où qu'on est, sont petit salle de 2 mètres carrés, il y a 16 nègres, chauve, ils sont pas connus. Et il dit, mouru par faute, yo, pas gagné espoir pour eux encore. C'est-à-dire, nous, même dans, nous, tellement, ça fait mal, nous dit, tiens. Mon cher, je suis bien content, je remercie Guerrier, je remercie les hommes, je remercie Radio Carré qui permettent que voix me passe. Parce que je me dis, si je ne prends pas le soin comme défenseur dans le monde, comme avocat, pour nous lancer SOS, lorsque je suis maintenant 4, 5, 6 prisonniers qui mourent. Non, mais là, on va parler de prison capaïtienne, mais pas quoi le différent de l'autre prison. Non, il va différer. Parce que vous connaissez, nous-mêmes, avec faible moyen dans le niveau cadeau, nous faisons visite dans toute prison. Mais comme nous sommes au cap, après au cap, nous allons de l'autre côté. C'est presque la même condition, oui. Bon, Guergui, est-ce qu'on connaît, il y a deux forces sceptiques, excusez-moi, avec tout le système qui est audité encore. Il y a deux forces sceptiques. Vous mettez vous, Donald Jamais, ça rentre dans la prison, vous. Mais vous n'avez pas quitté l'entrée. Il y a deux forces sceptiques, Guergui, qui débordaient. Moi, je traîne dans la prison, je traîne dans la toilette, je matière fécale qui a débordé sur la coupe. Et qui vise les guerriers? Bon, il y a deux cellules en face pour cette là. Qui est prisonnier là-dedans? Mon chevalier, bon. Deux fois sceptiques dans la prison, capaïtien, débordé, senti. C'est-à-dire, mon yon allé, yon ouel, c'est-à-dire, pas bon mesure urgente qui prend. C'est-à-dire, prisonniers sont mouliés, tout, ils vont dire, même pas défendre bandit. Mais comme défenseur de l'homme, comme avocat qui a bataille pour respect de l'homme, derrière l'arrivée là, je me sens offusqué. Je me dis, pas de question de l'homme dans la question de prison en Haïti. Ouais, imagine un côté, c'est responsable prison, dans le corps poche, pas le bon, responsable prison obligé, 20 bœuf, 20 cabrit, puis pour l'occuper prisonnier. Il y a 8 mois en dedans. Comme responsable prison, alors, c'est pas l'ensemble de responsables. 8 mois de prison, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faire un rien. Pas de machine pour porter prison, il y a laissé avocat, c'est parquet qui n'a pas ici. Hein? Des fois qu'on prête machine, il n'y a pas de prisonnier. Dans le moment, la machine qui pour porter prison, il y a plus de panne depuis plusieurs mois. Ça vient de mettre l'autorité sur sa prison en difficulté. Le gen moun qui parle juger, le gen moun qui parle en prison, qui parle devant assise criminel, il pas capable. Donc, je dis là, nous même comme avocats, dans le niveau cadeau, nous lancer SOS, nous l'aimer parce que
conditions infrahumaines, conditions inhumaines, conditions déplorables que 908 détenus à vivre dans la prison civile capaïtien, c'est inacceptable. C'est-à-dire, faut au moins, comme ministre des Fonds et Visite, je souhaite que PM Garikoni, CPT, Chita, ensemble avec le commissaire gouvernement Papia, responsable prison, cadeau de l'emblée pour question prison capaïtien, parce que nous, nous vivons très mal, nous pas qu'à manger, et cellules pourries, fenêtres pourries, ça y dit, barrières tombées, pas de machine, pas de cartable, pas de feuille, il fait chaud, il dit pas de dossier, pas de matériel, pas de fourniture pour faire dossier prisonnier, à la pensée, tiré. Allô? Non. Oui, il est important pour attirer attention autorité pour nous dire, mes amis, prisonnier c'est moi, il y a une dignité humaine en matière de questions et situations carcérales. Nous toujours parler des règles qu'il m'a demandé là. Eh bien, dans le cas païsien, guerrier, que tu es dans le cas païsien, que tu es dans le cas, parce que je m'attends de le cas, c'est pis mal. Tu as dit, dans la question de gestion de prison en Haïti, c'est zéro barré. Parce que l'État n'a pas de responsabilité, l'État n'a pas de respect de l'homme. Et nous-mêmes, nous pensons que Fonte lancé SOS, il a continué la bataille jusqu'à ce qu'il n'y ait pas capable de pour nous comment il a appris à respecter de l'homme depuis Haïti. Prison en Haïti, pas supposé une poubelle humaine. Prison en Haïti, c'est un côté au monde qui a été peine. Prison en Haïti, c'est son centre de correction. En prison en Haïti, pas supposé un fatra. En prison en Haïti, pas supposé un dépotoir. C'est au moins respecter la dignité humaine. Même policier quand il dit qui fait, qui t'aide. Elle dit, imagine mal où on avait dans la prison là. Nous obligés de mettre mon campé à 10 mètres parce que le TB, pas mon médecin en dedans. C'est mon l'église qui convient des fois, qui peut être mangé. C'est-à-dire, pas mon docteur qui a fait en dedans ou senti, il manque de moyens. Si mon enlevé nos matin, il dit, il y a une inquiétude pour le 908 mon manger. Et il y a 35 femmes là dans le guerrier, bon chiffre là. Il y a 119 condamnés dans la prison civile au Cap. Il y a 35 femmes qui sont dans le dépôt. Il y a 4 qui sont condamnés dans 35 femmes. Il y a 31 personnes jugées. Il y a 7 mineurs dans le dépôt. Il y a 1 qui sont condamnés. Il y a 6 mineurs dans la page jamais jugée. C'est grave. Et je dis à là, nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous attirions l'attention. Depuis 24 août, ils ont été portés manger dans la prison. Manger a fini. Sans mon nom, c'est un cobble qui est pour acheter du pain. Si avoine by 908 manger. Quand on parle des cas de maladie, moun pa mouri en sérieux de prison yo, c'est dit grand pile l'autre côté en par exemple garde à vue d'Elma 33 à la guérie. C'est surpopulation gagné. C'est dit garde à vue pas fait pour ça. C'est dit faut bon travail qui fait pour décongestionner centre de garde à vue et qui était prison yo pour permettre que moun yo vive, pour permettre que moun yo vive bien même là moun yo dans prison, mais ça pas dit pour autant que société n'a pas besoin. Peut-être qu'il y a un cadeau, bon, peut-être ça dépend de l'infraction que nous avons fait. Mais nous-mêmes, comme avocat, nous défendons défendu un niveau cadeau avec le cabinet d'avocatus. Et puis, nous saluons tout avocat qui présente des cadeaux dans nos yeux. Donc, il est extrêmement important pour Martin là. Nous avons lancé SOSA par PM Garikoni. Nous avons lancé SOSA par le ministre qui m'a salué le maître quand on circule. Nous avons important pour lancer SOSA par. Et CPT1 pour nous dire que dans pile prisonniers dans le pays qui dans une situation grand goût, qui pas joué de soin, qui pas de manger, une situation compliquée pour éviter que le cadre de décès répété en dessous de carcéral. Donc il est important pour délancer SOSA. Merci Guerrier et merci à tout le monde qui t'a entendu. Merci à vous Guerrier.